Et bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Civilization 6. Dans cette série, on incarne la reine Tomiris de l'Empire Sith. On est parti à la conquête du monde avec notre fière armée. Donc on était à la conquête de Sumer. Donc on lui a pris sa petite ville ici, on a fait une négociation un petit peu machiavélique où on lui a proposé la paix contre tout ce qu'il avait, puis d'emblée on l'a dénoncé, ce qui nous laisse 5 tours pour remonter la catapulte et puis pour après aller lui bourriner sa ville restante. Donc là-dessus on est plutôt pas mal. En termes de victoire, on voit qu'au niveau religion on est toujours un petit peu à la peine, il va falloir faire des missionnaires en masse et convertir un petit peu toutes ces villes. Et c'est vraiment là où c'est compliqué de jouer là-dessus, même si on voit qu'en fois par tour on est largement au-dessus des autres. Je serais curieux de savoir qui est ce petit personnage là ici, qui est premier en religion. Donc il va falloir convertir en masse histoire d'éviter d'avoir une défaite pour cause d'une victoire religieuse d'un ennemi, ça serait dommage. Ah, en plus Sumer et Rome ne sont pas en très bons termes. Donc on a des chevaliers, pourquoi pas, on va les squeezer. Pourquoi on vise les mousquetaires là? Ouais, pourquoi pas, ceci étant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être faire une université, histoire de booster encore un petit peu plus la science. Là, ici, Vilnius, ça y est, c'est conquis. Donc toutes les villes d'Amérique du Sud sont de notre religion. Du coup, je propose que ce petit gars-là, là, hop, on l'emmène faire un long trajet jusqu'ici. Ensuite, l'objectif principal, c'est de remonter cette petite catapulte. Et voilà, je pense que d'ici quelques tours, on peut lui déclarer la guerre. La catapulte est en place. On va amener les unités d'attaque à distance pour bourriner dans sa capitale. Toi, on va te remonter. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme unité d'attaque à distance? Bah, je crois que c'est tout. Toi, est-ce que tu arrives à récupérer un petit peu là? Ce serait bien que tu sois réparé à fond. On a plein d'unités de cavalerie qui attendent sagement. Ici, on a une catapulte prête à attaquer les Romains quand on entrera en guerre contre eux. Alors, on fait attention, les Romains ont des légions quand même, c'est pas n'importe quoi. Toi, tu attends. Tu attends aussi. Toi. Alors, je vais te déplacer juste d'un cran, voilà. Et bim. Toi, c'est pareil. De toute façon, on est obligé de rester à sa frontière pour l'instant. Hop. Qu'on va remonter ça là-bas. Hop, voilà. Hop. Unité en attente d'ordre. Alors, c'est toi. La catapulte est en position pour bombarder sur les Romains. on est plutôt bien là. On est plutôt posé. Hop. Alors, ok. Donc on s'était débarrassé d'un énième village de barbus ici. Et c'est vraiment fatigant. Hein. Donc on va se débarrasser aussi de ce petit gars là. Voilà. Tour suivant. Ah merde, j'ai pas regardé au niveau de tout ce qui est missionnaire. J'aurais peut-être pu en produire quelques-uns. Non, t'es sérieux? J'ai entendu quoi comme bruit là? J'ai entendu le bruit d'un village barbare. Alors il y en a un ici, qui est très loin de nous et qui est entre les deux cités-états, donc on va les laisser se démerder avec. J'espère que c'est pas... Non, ça a pas l'air d'être en Amérique du Sud, pour une fois. Là on est tranquille, il y en a un ici, mais Vilnius a plein d'unités, il va lui envoyer dessus j'imagine. Ça serait plutôt bien. Ok, donc on est bon. Tac, ici, que va-t-on créer?
On pourrait créer une mosquée histoire d'amplifier encore la foi. Toi, on te laisse ici. J'ai envie de regarder les missionnaires là tout de suite. Toi, du coup, ici, on peut pas lever de missionnaires chez nous. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu problématique. On peut acheter des bâtiments contre de la foi, ça, d'accord. Mais il nous faut un lieu saint en fait. Ici, ce lieu saint, il met combien de temps à arriver? 14 tours. C'est absolument monstrueux. Et il n'y a pas moyen d'optimiser ça. Ça fait quand même 14 tours. 13 tours. Et là, c'est toujours pas possible de faire un lieu saint. Non, bah, il va falloir attendre 13 tours. Est-ce que là, ici, il y a un lieu saint là-dedans? Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, je peux lever des troupes à partir d'ici, ce qui peut être sympa. Bon, donc on a un déficit de lieux saints en fait dans les villes qu'on a conquises. On avait des Kakou qui négligeaient la religion. Hein, souvenez-vous, le Congo, il voulait absolument qu'on le convertisse, mais il n'a pas pensé à créer de lieux saints. Du coup, c'est un peu embêtant. Alors, toi, tu restes ici. C'est tellement le bordel. Est-ce que toi, on peut te faire attaquer? Non, c'est encore trop tôt. On l'a bien dénoncé, lui, hein. Exiger un don. Exiger. Oh, c'est dommage. Il a pas l'air content. Hein. Il va être encore moins content d'ici quelques tours. Allez. Hop. 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 Du coup, ça, on peut te rapprocher. Tac. Alors, ça fait beaucoup de troupes à passer à chaque fois. Et bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Je pourrais les mettre en attente, en fortification et tout, mais après, faut les défortifier, c'est un peu chiant. Je préfère passer le tour. Alors, donc toi ici, ben mon coco, je pense que tu vas rester dans ce champ de blé en attendant qu'il y ait des barbares, ce qui devrait pas tarder, en principe. C'est souvent comme ça. Ici, ces villes-là, 1, 2, 3, il faut absolument convertir cette ville-là. Donc ici, Saint-Pétersbourg, tu vas me faire un missionnaire. Toi, tu vas me faire un missionnaire. Et au prochain tour, on va envoyer ces deux missionnaires sur cette ville-là pour la convertir. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ici, du coup? J'espère juste que Rome ne va pas nous déclarer la guerre pendant ce temps-là. Enfin, quoique, on a ce qu'il faut pour le squeezer de toute façon. Donc, c'est pas vraiment un gros gros problème. Libéralisme, libre marché. Ouais, on va viser ce qui demande le moins de temps. Ici, donc on a une doctrine qui a sauté. C'était une doctrine économique, on va mettre celle-là. Donc c'est un up de cette doctrine. On passe d'or plus 2 à or plus 4 et fois plus 1. Donc ça se prend. Hop. Ok, toi, tu restes ici, tu attends. Alors, on en est où ici? Est-ce qu'on peut attaquer? Non, on peut toujours pas attaquer Sumer. Du coup, on va passer toutes ces petites unités. Là, 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 là. Allez. Pam, 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 pam. Alors toi, ça y est, on a les sous pour te monter en cavalerie maintenant, d'accord. T'es où toi? T'es ici, ok. Tu vas venir ici. Toi, tu peux rester ici. Toi, tu vas venir ici. Tour suivant. Ah,
Allez, donc là, on a les troupes qui sont plus que prêtes. Et là, on va pouvoir se faire plaisir. Hein. Parce que d'emblée, une fois qu'on aura pété Ur, on attaque tout de suite Ur et Hostie en même temps. On va pas se priver. Là, il faut juste attendre un petit chouille. Qu'est-ce qu'on ferait ici, tiens, par exemple? Est-ce qu'on peut faire un négociant? Ça serait parfait. Ici, cavalerie, allez hop, il n'y en avait pas encore assez. Ça devient abusé. Allez, c'est repas. Attends. Non, toujours pas. Toujours pas. Faire un marché. En fait, non, exiger un don. Exiger un marché? Non? Tu veux pas nous donner des sous? T'es sûr? Et avec toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Déclarer une guerre surprise, Cassius Belli. Déclarer une guerre sainte. Ok. Bon. Alors, on est parti pour passer le tour à toutes ces petites unités. Hop. Toujours pas. Allez, c'est pas la phase la plus marrante, mais en principe, d'ici 2-3 tours, ça devrait faire relativement mal. On a les petits missionnaires qui se lancent à la conquête de l'Afrique. On va voir des mousquetaires là, ok. Ah, on a des... Bon, ça va, c'est Carthage qui va s'en occuper, du coup, j'imagine. Choisir sa production. Bah, écoute, tu vas faire un négociant. Ils sont où, tous nos négociants? Ils se sont fait baiser? C'est curieux, ça. Alors, ici... qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire déjà? On va développer la ville tranquillement, calmement. On va le faire des petits remparts, voilà. Hop, ici, on peut développer une route commerciale. Alors, c'est sensiblement partout la même. Je sais pas, hop, vers Porto Alegre, pourquoi pas. Toi, ici, il n'y a pas de danger. On va te mettre en état d'alerte, tiens. Ça fera ça de moins chaque tour. Ah, pas tout de suite. Toi, on peut encore t'avancer. Alors peut-être qu'on va te laisser dans le coup. Oh, je sais pas, il y a tellement d'unités partout en même temps que c'est pas forcément évident de faire des choix là maintenant. Il faut à tout prix qu'on rentre en guerre pour pouvoir éparpiller un petit peu tout ça. J'ai bien envie qu'on regarde encore un coup ici. Rome en tête en victoire religieuse. Ville convertie 10. Nous on est à 8. D'accord, donc visiblement les villes converties c'est ce qui compte le plus. Ok, bah ça va pas être un problème parce que de toute façon à partir du moment où on va prendre une ville, on va la convertir hein, de toute façon. Peut-être juste ici acheter. Est-ce qu'on peut acheter un apôtre ? Pas quand c'est pas notre tour, forcément. Vas-y, fais ta truc. Ici, moi je veux acheter un apôtre. Voilà, l'apôtre, je veux l'emmener dans cette ville-là. Ici, je veux que tu construises... qu'est-ce que tu peux construire d'ailleurs? C'est une bonne question tout ça. Qu'est-ce que tu peux faire en unité?
toute façon, pas vraiment besoin d'unité militaire. Et fait une université, pardon. Ok, donc est-ce qu'on peut enfin attaquer ce cimérien à la con là? Ça dure encore pour combien de temps cette dénonciation là? Notre relation. Je sais plus où c'est. Dénonciation, c'est ici là, non? Dans 24 tours? What? Je suis pas vraiment d'accord là, dans 20, 24 tours à attendre? Non! Ça a changé ça. Je suis pas vraiment d'accord, il va falloir que je fasse quelque chose pour me détendre là, genre aller buter le Romain en même temps quoi. Mais j'ai pas trop envie de lancer plusieurs fronts en même temps. Pourquoi tu veux pas attaquer? Il est gentil. Enfin non, il est pas gentil, il est moche, enfin il est stupide surtout, mais on pourrait l'attaquer quand même. Je vais voir, mais s'il faut attendre 24 tours, on va attaquer Rome avant. Hein. Je vous le garantis. On va pas attendre 24 tours à passer des tours avec les unités là. Ça c'est sûr. Ah, j'ai entendu un bruit de village barbare encore un coup. Car ce qui est contre la nature... Alors, il est où ce village barbare? Putain, sérieux, si c'est pas de l'abus, ça. Hop. Choisir un dogme. On va prendre nationalisme. Hop. Ici, on a un savant illustre. Parfait. T'es où, mon coco? Toi, ici, tu vas faire. Je sais pas, ouais, vas-y, amuse-toi à faire un amphithéâtre. Si tu veux. T'es sérieux? On peut toujours pas lui déclarer la guerre? Ça dure combien de temps ce truc-là? On a eu un savant illustre. Il est où? Ah, il est là. Je sais pas qu'est-ce que t'es apparu ici, en plein milieu de l'Afrique. Hop, déclenche un Eureka pour trois technologies. Pop-en, industrialisation, je sais pas quoi et je sais pas quoi. Mais c'est quand même dingue, attends. Dénonciation. Dans 23 tours, ah non, c'est pas possible ça. Ça, c'est juste pas possible. Bon, du coup, changement de plan, hein. On peut juste pas se permettre. Je crois que c'est le fait que... Je le dénonce juste après avoir fait la paix qui lui a pas vraiment plu. Donc du coup, il n'y a pas le choix là, il faut qu'on s'attaque à Rome, c'est pas grave, on est en position. On est bon, on est bien. du coup. Allez, on va. Alors là on a nuisible, tandis que si on fait ça. Si on fait Cassius Belli et qu'on lui déclare une guerre sainte, on a une pénalité qui est un peu moins élevée. Voilà, on va faire ça. Tout à fait. Personne ne remettra en cause cela. Alors, du coup. Ta petite ville là, que t'as prise aux Sumériennes, on va te la reprendre tout simplement. On va y aller en mode bourrin de toute façon. Hop, il nous attaque même pas. C'est quoi ce brin? Sérieux, il nous attaque même pas. Ah bah écoute, on va pas se priver. Hein. On va pas se priver. Qu'est-ce que t'es toi ici? Qu'est-ce que tu fais ici, mon coco?
Ouah, t'es sérieux, ça nous a... Ah ouais, du coup, ça nous a exclus ici. Bon, bah, c'est pas plus mal, en fait. Est-ce que je peux attaquer Rome? Non, je peux pas, forcément. Ça me paraît à peu près logique. Toi, tu pourrais attaquer ce machin-là, ouais, tout à fait. Toi. Ouais, on peut se débarrasser de ces petits cons, là. Qui viennent convertir nos villes. Non, mais ils se sont cru où? Hop, on va continuer d'attaquer ça. Il n'y a plus de défense ici. Donc c'est plutôt pas mal. Oula! J'ai peut-être lancé l'attaque un peu vite. Ceci étant, ça a l'air de plutôt porter ses fruits. Je crois qu'au prochain tour, on l'a de toute façon, ce truc-là. Ici. On a un petit mec qui se promène. On va lui demander d'aller attaquer la légion. Cavalerie, qu'est-ce que tu fais là, toi déjà? Ah oui, c'est vrai, on t'a demandé d'aller tuer les émissaires romains. Ok, donc on va passer à l'offensive. On va vraiment le faire sans respect de toute façon. Toi, bim, est-ce qu'on s'en débarrasse? Parfait. Ok. Donc c'est bien. Il y aura eu du mouvement et de l'action comme ça en même temps. Par contre, le truc de la dénonciation 24 heures, 24 jours, là, c'était un peu violent. J'aurais pu attendre longtemps. Ok, donc on va quand même faire gaffe à cette catapulte-là. Parce que ça fait mal. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait, toi, ici? Tu nous as fait une route commerciale avec Carthage, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu peux produire? Il faut une population de 13 ou plus pour faire un lieu saint. Ben, on va lui demander aussi de faire un lieu saint dans quelques temps. On va lui faire des remparts antiques. Voilà, ça va lui faire plaisir. Toi, tu vas bombarder ce truc-là. Toi, tu vas venir t'en emparer. Ok, nickel. On annexe. Rendre au fondateur, Sumer. Non, bon, j'annexe, je veux pas lui rendre quelque chose, ils s'en foutent. En plus, pour 24 tours, et ça va bien. Ça va bien. Bon, direction Ostie. Allez. Attends, c'est vraiment chiant ça qu'on puisse pas. J'ai vraiment pas GG là sur la négociation. Alors, est-ce qu'on fait beaucoup de dégâts au mur? Il n'y a pas l'air de faire énormément de dégâts. Je vois pas bien là. Il n'y a pas l'air. C'est plutôt même ca catastrophique. Alors, je pense qu'il y a moyen de commencer à attaquer. On se retirera au tour d'après. Allez, soyons fous. Plus on se prend une promotion par derrière. Alors, ici. Ah, on a annexé ce machin-là? Ah merde. C'est pas grave. Promotion disponible sur les archers montés. On aurait dû la raser en fait, comme ça lui aurait fait une ville d'islam en moins. Promotion sur ces archers-là qui ne peuvent plus bouger de toute façon. Au niveau 6. C'est absolument terrible. Hop, tu peux guère bouger, mon coco. Toi, tu pourrais venir foutre un petit peu la merde ici, peut-être. Ouais. Voilà, de toute façon, faut être offensif. De façon à accorder un petit peu de survie à notre catapulte. Tour suivant déjà. Alors, je pense que la catapulte risque peut-être d'y passer. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on a un cavalier qui traîne, d'accord. On va le rameuter. On a notre missionnaire qui arrive ici. Ça a failli, hein. On va la sauver, cette... Enfin,
Je sais pas si on va réussir seulement. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Ah si, potentiellement on peut la sauver. Attendez, je veux voir un truc avant. Si je fais ça, je la sacrifie concrètement. Donc on va plutôt faire un échange de catapultes en fait. Voilà, pendant ce temps-là, toi, tu vas venir te reposer ici. Voilà. Toi, tu vas aller attaquer. On va essayer de faire tourner un petit peu nos unités pour éviter de trop les gaspiller. Toi, on peut encore te permettre de te faire aller là-dessus. Toi, t'as déjà fait tes deux attaques, ouais, dessus. Ok. Toi... Toi, tu peux avancer d'un cran, s'il te plaît. Voilà, comme ça, on ramène lui. Hop. C'est vraiment emmerdant, cette histoire de dénonciation, là. Cassius Belli. Ah, donc on peut déclarer la guerre aux Sumériens, là. On peut lui déclarer la guerre. Ok, ceci dit, il vaut peut-être mieux se débarrasser d'abord d'Ostie. Alors, on va d'abord se débarrasser d'Ostie et on fera ça dans le prochain épisode. Et ben voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura commencé finalement à attaquer Rome, même si c'était pas prévu. Hein. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. D'ici là, amusez-vous bien et à tchou tchou !